Et on va faire en puissance installée, hein, pas en énergie, en puissance installée, hein, pas en énergie. Et on va faire un peu plus que ça encore cette année. Donc on devrait arriver aux 18 gigawatts, 18 000 mégawatts. Donc ça veut dire 18 réacteurs nucléaires en termes de puissance qu'on devrait installer d'ici 2020 en éolien terrestre. Quand vous construisez des énergies renouvelables, on peut prendre le cas des éoliennes encore, en fait, on paye 4 ou 5 fois la même chose. Oui, vous payez une première fois parce que vous donnez une subvention pour construire l'éolienne. Oui. Sinon, elle n'est pas très rentable et personne ne la construira. Ensuite, une fois que l'éolienne est construite, il faut avoir un tarif de rachat qui est supérieur au prix du marché. Parce que sinon, personne n'achètera cette électricité qui arrive toujours au moment où on n'en a pas besoin. Donc vous payez une deuxième fois avec des tarifs de rachat obligatoires et des prix supérieurs au prix de marché. Ce qu'on disait tout à l'heure. Et par ailleurs, on explique qu'on est en concurrence et qu'il faut appliquer les méthodes du marché. Oui, donc c'est un peu contradictoire. Oui. Voilà. Et ensuite, vous repayez une troisième fois parce que tout ça, le jour où il n'y a pas de vent, de toute façon, ça produit rien. Et donc il faut construire une capacité de secours pour le jour où il n'y a pas de vent. Et cette capacité de secours, en pratique, c'est du gaz. Aujourd'hui, du gaz central électrique à gaz naturel. Et donc, vous payez une troisième fois pour construire votre capacité de secours, mais vous remarquerez au passage qu'une fois que vous avez la capacité de secours, qui, elle, fonctionne chaque fois qu'on en a besoin, il suffit d'appuyer sur le bouton, puisqu'il faut que ça soit prêt à démarrer n'importe quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent. Une fois que vous avez la capacité de secours, sur le plan économique, votre investissement que vous avez mis dans le renouvelable, il ne sert à rien, il est perdu, puisque la capacité de secours peut tout faire. Évidemment. Avec toute seule. Donc vous payez une troisième fois. Et ensuite, vous repayez encore une quatrième fois. Parce que la capacité de secours que vous avez construite, qui va être du gaz ou du charbon, typiquement. Non, c'est pas ça. C'est que comme on donne une priorité d'accès au réseau renouvelable, et que vous allez produire, par exemple, 20% du temps, ou dans les meilleurs cas, 30% du temps, avec du renouvelable, eh bien, vous allez diminuer la rentabilité de la centrale qui, elle, pourrait fonctionner tout le temps, la centrale à gaz, qui, du coup, ne se retrouve pas rentable, parce qu'elle fonctionnait que tout le temps, elle serait rentable, là, et si vous lui enlevez 30%, elle est plus rentable. Donc, il faut de nouveau subventionner la capacité de rechange. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, finalement, vous payez 4 fois la même chose, pour finalement, puisqu'on est en France où de toute façon l'électricité est quasi totalement décarbonée, de toute façon ça n'enlève même pas de la pollution à l'environnement. Donc vous avez payé 4 fois la même chose et ça n'est pas des petites sommes dont on parle. Si on prend, ça s'appelle la CSPE, la contribution au service public de l'électricité, parce qu'on n'a pas appelé ça la super taxe pour les énergies renouvelables, sinon les gens seraient tous vent debout contre les énergies renouvelables. Donc on a mis un nom un peu compliqué à comprendre. Oui. Ça s'appelle la contribution au service public de l'électricité. C'est comme ça, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Oui. En fait, autrefois, ça servait à faire l'électrification des zones rurales un peu éloignées, pour que tout le monde paye l'électricité avec le même prix, même à la campagne. Mais aujourd'hui, ça sert essentiellement à subventionner les éoliennes et le solaire. Et donc, on paye 4 fois la même chose. C'est un gaspillage financier monumental. En 2017, le montant de la CSPE pour les énergies renouvelables, c'est environ 8 milliards d'euros. Oui. Tenez-vous bien, 8 milliards d'euros, vous rêvez pas, hein, c'est bien des milliards. C'est colossal. Joël m'appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Joël. Bonjour Eric, je viens d'énoncer un projet absolument insupportable, c'est-à-dire qu'un parc de 6 éoliennes de 165 mètres de haut est prévu à 650 mètres des maisons et concerne 2 villages et un hameau de petites communes de Seine-et-Marne. Alors, ce projet, bon, il a été mené en grand secret, je vais dire évidemment, depuis 2013, sans aucune concertation des habitants, et il n'a été révélé qu'en 2015. Mmh. Alors, depuis, bon, évidemment, la lutte s'organise. Les députés du coin, M. Christian Jacob, Franck Resser, se sont déclarés opposés au projet. Les conseils municipaux des deux communes sont contre. Plus de 50% des habitants ont signé une pétition. Mais le projet court toujours. Et Joël, les éoliennes, il faut vraiment avoir été à côté pour comprendre ce que c'est. Moi, je suis parti en famille il y a quelques jours en Seine-Maritime, Étretat, le Tréport, les falaises magnifiques, c'est un littoral éblouissant, la Seine-Maritime. Et absolument. Je me suis promené
une après-midi entière, mais c'est hallucinant, mais c'est même anxiogène. Sur ces petites routes, sur le littoral défiguré, ah, je dis bien défiguré, mais oui, ça foutait la trouille. J'avais peur d'arrêter ma voiture, c'est extrêmement anxiogène. Et je regardais ces petites fermes, ces petites maisons qui étaient là, et je me disais, mais ces gens que je ne connais pas, mais quel calvaire, ils se retrouvent au milieu d'un champ d'éoliennes, cette espèce de gigantisme inquiétant. Alors que dans beaucoup de pays maintenant qui ont d'avance, on fait des champs d'éoliennes, mais qu'on met par exemple en haute mer. Bon, en haute mer, les nuisances sont moindres. Et puis ce bruit permanent. Là, vous les entendez. Voilà. Là, on entend. On entend voilà, ce bruit de fond qu'on a régulièrement. Et elles sont à quelle distance de chez vous, là, les éoliennes? Là, elles sont à plus d'un kilomètre. Ils sont en train de nous encercler. Moi, ça m'évoque une invasion. Une invasion des machines qui s'approchent de plus en plus de la maison, qu'on entend de plus en plus. Pour vous, ça pénalise vraiment la valeur immobilière de votre maison? Oui, obligatoirement. Lorsqu'on vient habiter ce genre de propriété, c'est avant tout pour le calme, la tranquillité. Et aujourd'hui, la tranquillité, on l'a perdue. C'est invraisemblable. Ah, je vous comprends. Je les aurais à 650 mètres de la maison. Mais écoutez, je ne peux faire autre chose que compatir, cher Joël, mais je trouve ça tragique, dramatique, et j'espère que ce sont des solutions transitoires que ces champs d'éoliennes, et qu'un jour on sortira de ces horreurs qui ont poussé sur le territoire français. N'oublions pas que le tourisme, c'est 7% du PIB de la France. Le tourisme, c'est le pétrole français. Et là, on est en train de lui faire mal au tourisme, parce qu'on est en train de défigurer les paysages de France en fichant des éoliennes partout. La Seine-Maritime, mesdames et messieurs, un des plus beaux départements de France, avec Étretat, tout ça, avec ces champs d'éoliennes sur le littoral, sur les falaises. Je trouve ça totalement absurde et j'ignore qui a pu accepter, quelle autorité locale ont pu accepter qu'on défigure à ce point nos jolis paysages. Je prends les couloirs aériens à basse altitude. D'un mot, hein. C'est les couloirs d'entraînement pour les pilotes. À un moment donné, nos pilotes, ils trouveront dans leur théâtre d'opération des éoliennes. Il faudra bien qu'ils s'habituent à passer entre les éoliennes et pas passer au-dessus. Donc, on pourrait effectivement envisager d'implanter des éoliennes de manière à ce que ça constitue des champs d'entraînement pour pilotes expérimentés. L'Académie de médecine publie un rapport sur les effets des éoliennes sur la santé. Ils sont des centaines à se plaindre de la proximité des moulins à vent. Les riverains craignent des effets pathogènes. Ils sont des centaines à s'opposer aux nouveaux projets de construction. L'Académie de médecine a donné son avis. Il n'est pas très inquiétant, même s'il reconnaît un risque de traumatisme sonore chronique en fonction de la distance entre les éoliennes et les habitations. Plus elles sont proches, plus la gêne peut être grande. Les riverains se plaignent également de troubles du sommeil, de stress, de nausées, de fatigue. Le tout a été noté par l'Académie, mais elle n'a pas tranché faute de recherche. Elle parle également des nuisances visuelles. Et de l'effet stroboscopique produit par la rotation des pales des éoliennes. Alors je ne sais pas si ça existe encore dans les boîtes de nuit, les stroboscopes, mais vous devez imaginer l'effet que cela produit sur les yeux. L'Académie estime que cela n'entraîne pas de crise d'épilepsie, pas plus que le clignotement des feux de signalisation destinés à prévenir les avions de la présence des éoliennes. En revanche, elle reconnaît une gêne visuelle pour les riverains et un effet psychologique sur, je cite, la défiguration du paysage. On se rend compte qu'on ne sait pas grand chose sur les effets sanitaires des éoliennes. Non, pas de certitude, d'où les recommandations de l'Académie, des enregistrements du bruit dans les habitations des riverains pendant plusieurs semaines et une enquête épidémiologique sur les conséquences sanitaires du bruit. En attendant, elle conseille que les éoliennes les plus puissantes soient installées à 1500 mètres des habitations, contre 500 mètres actuellement. La Fédération de l'environnement durable opposée aux éoliennes salue ce rapport. Elle a été auditionnée par l'Académie de médecine, qui a entendu un peu ce qu'elle appelle le syndrome des éoliennes. Merci à vous Nathalie Fontrelle, 7h21.